identifier. On a fait planifier le premier préparatif de la cérémonie de remise de diplôme de la 7e couronne de la commissaire de l'Académie de France. Ce coup fatal, contre la restitution policière, a été le coup de trop qui a ébranlé tous les fils du corps social haïtien et provoqué le mal de tous les patriotes du pays. La ville d'Haïti, supportant le processus de développement de l'apprentissage par l'Haïti. C'est l'occasion pour moi, en tant que directeur général de l'apprentissage en Haïti, commandant en chef de police, d'honorer l'esprit de sacrifice, de loyauté et du service de ce grand homme. Le commissaire divisionnaire Antoine Hugo, à titre posthume au grand inspecteur général de la police, vient de faire son entrée dans le panthéon des héros de la République. Je viens parler ce matin pour exprimer toute notre gratitude, monsieur le inspecteur général, pour le loyal service rendu à la République, pour le temps. L'institution policière et la nation haïtienne tout entière nous seront éternellement reconnaissantes. À la famille de notre cher collègue, nous voulons dire merci. Merci pour le don précieux de ce que nous accordons. Recevez en cette circonstance l'expression de toute notre reconnaissance. Je vous accorde un message du haut commandement de la police nationale d'Haïti et de toute l'institution policière. La police nationale d'Haïti ne connaîtra point de repos jusqu'à ce que tout autre, co-auteur et complice de cet acte à part et tout autre forfait commis contre la population haïtienne. À la législation haïtienne. Il est temps que cette machine infernale de mort s'arrête et que tous, et celle qui l'alimente, en paix. Les conséquences, sans tenir compte de leur rang social et économique, cette impunité nocive à l'épanouissement du corps social haïtien doit s'arrêter. Et la police nationale d'Haïti est déterminée à jouer adéquatement son rôle comme un élément de la chaîne pénale en étant de ses vrais pouvoirs. À la famille de Claude, la PNH promet un accompagnement sans faille, comme le veut la disposition du décret du 1er juillet 2022. Et je profite de l'occasion, encore une fois, pour remercier le Premier ministre, son Excellence, de pour avoir doté l'institution policière d'un tel instrument d'État. Je souhaite que d'autres dispositions viennent renforcer les avantages sociaux nécessaires à l'amélioration des conditions de vie des policiers, dont la profession les place en première ligne à affronter les dangers qui guettent les menaces. Une fois encore la petite population haïtienne par les courage, qu'elle est faible. Nous, au niveau de la police, nous ne pouvons pas plaire. Nous avons continué à mettre toute qualité de vie. Nous ne pouvons jamais prendre le pays dans le monde, toute qualité de vie. Avec mes moyens, on a fait tout ça capable pour permettre que la population soit capable de vivre en paix. La première population continue à supporter au district. On a le bon genre d'informations pour nous croire les bandits, assassins,
salle multifonction à l'entendu. Après la cérémonie, je vais vous inviter à inaugurer cette salle. Monsieur le Premier ministre, de la ministre de la Justice et des autres invités, de manière, ce sera un plaisir pour nous d'aller inaugurer cette salle en mémoire de nos chers collègues. Une fois encore, ma petite, courage. Tout ce qu'il y a, il y a, on mettait main en main. On ne pouvait coller à la police.